Alliance existe depuis 2000. Donc nous sommes en 2016 aujourd'hui, donc nous avons pratiquement une quinzaine d'années d'expérience. Nous avons fait beaucoup de publications et nous travaillons à l'échelle sous-régionale. Et nous avons même orienté les pensées. Je vais vous donner juste un exemple. En mars, 1er mars 2012, nous avons organisé ici, dans le cadre d'initiatives qu'on appelait le forum multi-acteurs, nous avons organisé un forum multi-acteurs sur la crise de l'État. 1er mars 2012. Le 21 mars, il y a eu le coup d'État. Donc ça veut dire que, sincèrement, nous sommes... c'est pour ça d'ailleurs nous avons dit que nous sommes une alliance pour refonder la gouvernance. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de réaménager. Il faut refonder l'État. Il faut refonder la gestion publique. Je vous ai dit tout de suite aujourd'hui. La condition de stabilité de ce pays, c'est la reconnaissance de la diversité des territoires, la diversité humaine. Il faut qu'il y ait un État qui le reconnaisse. L'État que nous avons actuellement, ça méfie. Il faut qu'un État qui reconnaisse qu'on est un pays divers. On est un territoire, mais aussi on est des territoires. Parce que le territoire est divers. Il faut qu'un État reconnaisse que nous avons mis en place des institutions démocratiques, mais ça ne tient pas la route. Qui sont jeunes, qu'il faut réadapter, qu'il faut réorganiser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la forme que dans le fond. Voilà quelques pistes aujourd'hui sur lesquelles nous devons ouvrir le débat. Comment relégitimer nos institutions? Comment crédibiliser le processus démocratique? Donc, je pense que c'est ça sur lequel nous avons réfléchi pendant 15 ans. Au Mali, c'est aussi, mais aussi dans beaucoup de pays africains.